Ici le Bondy Blog. Nous sommes le 11 janvier 2015 et la France est dans la rue. La France dit non à la peur, non au terrorisme. Les premières images font plaisir à voir, mes frères. Des banderoles bleu, blanc, rouge, des étoiles de David, des croix et des signes de l'islam. Toutes crient la même chose, les religions unies contre la haine. Au micro, nos journalistes chantent l'union sacrée, la beauté du peuple qui se bat. Tout le pays debout défie la barbarie. Un Pearl Harbor français, l'électrochoc que nous attendions tous. Désormais, nous avons la fraternité. Battons-nous pour la liberté, celle d'expression pour commencer, et l'égalité, ma foi, elle nous rejoindra sûrement en route. Aujourd'hui, la France ne fait plus qu'une. Elle reprend sa place dans le monde, la seule qu'elle mérite, la première. 40 chefs d'État ont traversé le globe pour marcher à Paris. Et sous les pavés, mes frères, sous les pavés, rien. Rien du tout. Dans nos quartiers, les vieux de la vieille l'avaient senti venir. La liesse populaire, c'est comme le soufflé au fromage, ça retombe vite. C'est vrai que 4 millions de Français dans la rue, c'était du jamais vu. Mais le 12 juillet 98, c'était quelque chose aussi. La France gagnait la Coupe du Monde de football. Sur l'Arc de Triomphe, écrit au laser, Zidane président et Black Blanc Beur. La France de la diversité avait gagné. Clarissa, Franck, Ahmed, les policiers tués par les frères Kouachi et Koulibaly, l'étaient aussi, Black Blanc Beur. Mais en 98, Black Blanc Beur, ça voulait dire le racisme est mort. Aux joies. On était tous gaulois, enfin. Les mirages dans le désert durent plus longtemps. 2002, le Front National arrive en finale de l'élection présidentielle. 2005, les banlieues s'embrasent. 12 janvier 2015, premier Larsen dans la Sophonie républicaine. À la télé, on se demande ce que faisait le drapeau algérien dans les manifs. Ce drapeau qu'on brandit à tout bout de champ, qu'on a vu flotter pour l'indépendance du Kosovo, ou à l'élection d'Obama, était, pour la première fois, parfaitement à sa place. 20 ans avant qu'on soit Charlie, les Algériens étaient tards. En Algérie, on a tué des journalistes pendant une décennie. Les jours passent et chacun va de sa petite phrase. Les banlieues n'ont pas manifesté. Les musulmans étaient trop peu nombreux. Convoqués sous le banc de la République et présumés absents, les exclus du système se retrouvent sur le banc des accusés. Toujours la même rengaine. Liberté, égalité, fraternité au-dessus de toutes les écoles. En banlieue, c'est fait pour les cacas d'oiseaux. Ici, la République fait le strict minimum. Bac plus 5 au chômage ou au McDo, conseillère d'orientation qui n'a que le mot BEP à la bouche, ces faits trop exotiques jetés à la poubelle, l'esprit du 11 janvier s'arrête aux portes du périph. L'esprit du 11 septembre, lui, traverse les océans. Vous êtes avec nous ou contre nous. Rejeter en même temps les caricatures du prophète et le meurtre des journalistes est impossible. Si tu n'es pas Charlie, tu es forcément Kouachi. Eddie Rossini, Le Bondy Blog.